Bande de Roger, ici le mat. Et aujourd'hui, la lumière morte! Deadlight. Toujours des traductions de merde, hein. Vous commencez à connaître peut-être. Donc c'est dans cette ambiance un petit peu space que j'ai acheté ce jeu pendant les fêtes de Noël. Oui, c'est un peu bizarre. Mais j'y ai joué quelques secondes et j'avoue que il me plaît bien. Donc j'aimerais bien peut-être vous faire un let's play, au moins une vidéo découverte, mais peut-être un let's play sur un temps que j'ai, parce que comme je peux pas mettre en ligne, je vais essayer de tourner déjà. Ça peut être pas mal. Voilà, bienvenue à Seattle. Je sais même pas combien de temps il dure le jeu, ça se trouve il est pas très long, hein, on verra. Voilà. Ok, on commence. Apparemment c'est une apocalypse zombie. Il a une boucle de cheveux roux, mon dernier souvenir de Carla. Ok. Très bien. Donc apparemment tu connaissais une dame qui s'appelait Carla. Voilà, on a défoncé la porte. Oh le zombard! Voilà, access denied. Hein, tu lis des livres avec la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a? Attention, le bois est pourri et les planches sont cassées. Enfin, sont pourries aussi. Tout est pourri de toute façon. Voilà, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Putain, il y a quand même beaucoup de zombies là. Donc, ce que j'ai lu, c'est un jeu de parcours. Un peu, en quelque sorte. Hein, un peu, genre. Ça me servait à quoi ça? Ouais. J'aurais dû écouter. Ouvre la porte. Ah, cette fois, tu défonces pas la porte. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une page perdue de mon journal. Alors, tu vas m'expliquer ce qu'elle fout ici. Et attends, j'ai pas pu la lire. Comment on fait? Je peux régler des trucs? Non. C'est dans les succès? Non, non, non. Saloperie! Je voulais lire la page! Attendez. Connerie de Steam, mes couilles. En plus, j'ai pas de connexion, donc ça sert à rien. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est une porte, oui. Ah oui, c'est une porte. Oui. Attendez, ah voilà, c'est Select. Je joue à la manette. Hein. Aujourd'hui, Carla est morte dans l'entrepôt abandonné. Elle s'était fait mordre et j'ai dû en finir avant que le chaos ne s'installe parmi nous. Les ombres ont entendu le coup de feu et se sont ruées vers notre abri. Le groupe s'est séparé. Je dois sortir de cet entrepôt et retrouver les autres. Et surtout, je dois retrouver ma famille. Ah, donc c'était pas sa famille. Ah, 15 mai 1985. Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Je vais essayer de lire un peu plus vite. Hein. Ah non, mais attendez, il y a 94 pages? Ah, ça va, on n'a pas tout. Mais bon, qu'est-ce que j'ai. Ah non, mais attendez, je. Non, non, je crois que je vais pas tout lire. Non, désolé. Non, non. J'ai vu le truc du bocage, j'ai dit. Ouais, on va lire. Puis après, j'ai vu 94 pages, j'ai dit. Ouais, non, en fait, ça va aller. Hein? Ça va aller, hein? J'espère qu'ils sont bien morts. Ah oui, ils sont morts. Oh, il s'est déboîté la gueule. Alors, par où il faut aller? À gauche? J'imagine, hein? YOLO! On se casse. Putain. Il s'appelle comment déjà notre. Alors, attends, il y a un LT. Ok. LT, donc c'est comme dans Assassin's Creed, c'est pratique. Parce qu'en ce moment je suis en train de le défoncer. Ça vaut de l'environnement. Ah. Ah oui, bon, bah, je l'ai fait un petit peu trop tôt, mais il s'est quand même bien fait défoncer la gueule. Hein. On apprécie. On apprécie. Ah, une sortie de secours. Ouais, bon, elle n'a pas l'air très de secours là, mais. Mais bon. Putain, c'est vraiment sale, hein. Donc je crois que c'est un jeu qui date pas de cette année. Je crois que c'est un jeu qui est sorti sur le Microsoft. Ok, premier fail, ouais. Pardon. Alors attendez. Donc c'est un jeu qui est sorti sur le Microsoft, enfin le Xbox Live, voilà ça que je cherchais, qui a été noté meilleur jeu du Xbox Live, bon, un truc comme ça, je sais plus. J'irai me renseigner un jour si je n'ai pas trop la flemme. Monte.
Ça a l'air vachement punitif, hein, parce que je suis pas monté, je suis pas de tombé de très haut et je me suis bien déboîté. Donc on va faire en sorte. Est-ce que je peux monter plus haut? Non. Ok. Alors on va pas faire le fou. Monte cannabis. Ah oui, d'accord. Oui. Alors. Ouais, bah YOLO. Hein? Merci le jeu. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait de mage? Ou LT, non? J'ai pas vu. Attends, là je marche. J'ai pas vu. Il a dit quoi? Attendez. Ça y est, ça commence. Alors attendez. Tu veux quelque part ça. Ok, j'ai fait bugger le jeu. Merci, au revoir. Bon, très bien le jeu. Alors, si cette fois tu pouvais éviter de bugger, parce que j'ai dû recommencer tout le jeu. Alors, ouais, donc c'est RB pour sprinter. Ok, je faisais un test. Hein. Ouais, il l'a fait. Ok, très bien. Alors. Très bien, qu'est-ce qu'il faut? Une échelle. D'accord. D'accord. Bon, malheureusement, je l'entends pas assez pour comprendre ce qu'il dit, parce que j'ai mis le jeu très bas au niveau du son. Y pour provoquer les ennemis. Ah oui, d'accord, quand même. Eh hop, pour le mouiller. Ah, t'es un petit peu con quand même. Y en a plus? YOLO, alors. D'accord, je viens de me prendre le truc dans la gueule. Ah oui, bah oui, c'est plutôt radical comme solution, ça. Qu'est-ce que c'est? Une trousse de soins. Je vais bien, j'en ai pas besoin. Oui, bah tu ferais mieux de la garder, hein. Je sais pas si c'est possible. Mais... Ah. Très bien. J'ai eu un succès. I ran. So far away. Ah, pour enfoncer une porte. Donc en fait, ouais, je me suis pas pris par hasard. Quoi. Ah oui, le mec se jette dessus carrément. Il y avait pas un truc à gauche? Non? Tant mieux. Voilà. Et apparemment, je crois qu'après, on peut avoir des armes. Pour statut mise à jour. Tunnel de service. Ah, on est en 1800, 1986. Non, reviens. Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des tunnels. Mais non! Mais pourquoi du zoo? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il me disait? Je crois que... Mais non! Et tout à l'heure, il s'est accroché tout seul! Arrête de sauter, du con! Ah, ok. Oui! En vrai, tu te râpes les mains, là. Oh! Putain, ils m'ont fait peur, ces cons. Est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs genre. Genre, il y a Makassi, non? Non, c'est tout. Ok. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh, il a l'air mal en point, lui. Un poème qui est écrit, ouais. Randall ne sait pas nager. Ah bah bien, t'es héros de jeux vidéo, tu sais même pas nager, putain, trou du cul. Contre la plupart ne savent pas, ils savent couler, ramasser des bulles, mais ils savent pas nager. Quoique je préfère, hein, parce que j'aime pas trop les gameplays sous l'eau. C'est marrant de pas savoir nager quand même. Enfin, je dis pas que c'est une normalité, mais... c'est étrange quand même. Enfin, qu'ils te le disent en plus, tu sais. D'habitude, le mec, bon, d'accord, t'es mort dans l'eau. Mais bon, c'est pas mal, hein, du coup. J'ai évité un fail, hein. Parce que les fails, c'est quand même vite arrivé quand on est aussi indiscipliné et aussi irrigoureux. Je sais même pas si ça se dit. Que moi. J'aime bien le voir. Il court. Mais... PU. Il a pas la présence d'esprit de ralentir devant le mur, tu sais. Enfin, il y a des trucs qui sont automatiquement dans la plupart des jeux. Mais alors là, ouais, je sais pas. C'est YOLO, je tape dedans. J'en ai rien à foutre. Bah. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour être à sa place. Allez, monte! Monte! Mais non! Attends, est-ce que je peux les taper? Bah, eux, ils peuvent, en tout cas. J'ai pas compris. J'ai dû rater. Est-ce que je peux courir sous l'eau? Je vais pas regarder. Oui, mais déjà, on va baisser l'eau. Bien joué, Billy. Donc, par contre, eux, ils savent... Les yeux. Ah, d'accord. Le succès qui se déverrouille, genre... 3 mois après.
cours, 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 cours. Putain, je peux rien faire, hein. Je peux rien faire, hein. Cours. Je spamme toutes les touches de ma manette, là. Hein. J'essaye des choses. Et ils vont plus vite que moi, ces enculés. Depuis quand les zombies sont plus rapides? Monte! Ah! À moi! Monte, 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 monte! Ouais! Ok. J'ai essayé des trucs. Hein. Je voulais voir si je pouvais les taper. Ah, il me reste que 2 barres de vie, d'accord. Plutôt bien alors. Sinon, ça va, il est assez joli hein, pour un petit jeu comme ça, un dé. Putain. Évaluation des distances, 0. Monsieur, vous avez raté votre permis de conduire. Alors, attends. Ah, ça va. J'ai cru que vous alliez me faire repartir de l'autre côté. Je vais devenir fou. Bien joué! Et continue. Carry on. Oh yes, une trousse de soins. Ah bah j'en ai plus besoin. Je viens de tomber dans un trou. Ça m'a fait régénérer ma vie. C'est complètement pas logique. Bon, en fait, déjà, c'est pas logique de respawn. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas gardé la vie basse. Bon, voilà. Statut mise à jour. Voilà ce qui reste de notre monde. Une oasis. Bah, je pense qu'en fait, je vais lire que ça. Voilà ce qui reste de notre monde. Une oasis à l'agonie. Il n'y a plus d'eau, plus de vie. La dévastation. La dévastation? Ouais, la dévastation après la guerre entre hommes et ombres. L'autoroute est jonchée de carcasses de véhicules qui tentaient de fuir la ville. Un raccourci menant à la zone de sécurité se trouve de l'autre côté de la route. Ce que j'aime bien, c'est que les zombies rêvent quand même à te déboîter des bagnoles. Ouah, ouah, non! Putain, il a failli avoir fail. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah oui! Si on pouvait trouver quelque chose d'intéressant. La pièce d'identité! Oui, ça va être très pratique ça pour combattre les zombies. Hein. On va leur balancer 2 cartes d'identité à la gueule. Coucou, à plus. Putain, pourquoi j'ai sauté? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est Deadlight, ça commence! Et là, le nom il va se cacher, on va plus le voir. C'est magique. Et c'est le truc du début du menu, si je me souviens bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est l'endurance. Très bien, faut que je la laisse remonter. J'aime bien l'univers en tout cas. Ah, pardon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est marqué? Encore une de ces maudites brochures gouvernementales, quarantaine. Appuyez sur ça ou ça pour vous retourner des clôtures des fenêtres. Attendez, c'est 4 joysticks. Left. Oui, sinon. Ah, d'accord, mais quand t'es là, il voulait dire. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. What? Casse-toi! Ah, d'accord, en fait, c'est voulu. Enfin. Tout est relatif. What the fuck? De pourquoi il y a des chargements tout le temps? Mais je suis pas mort! Ah non, je suis pas mort, j'ai continué. Ok, d'accord. Ah, j'ai dû rater un truc parce que je peux pas le péter, ça. Comme il y a des barbelés, je pense que ça va nous inst... Ah, il est là, notre truc. Oh, j'aime ça. J'espère qu'elle va pas être one shot. One use. Ah, désolé, je te l'emprunte. Ah, désolé. C'est pas tous les jours qu'on perd la tête, mais... Appuyez, rond. D'ailleurs, le dézaguisé, il rentre même pas dans l'écran, quoi. Faut quoi? Faut de la 4K? Ah ouais, d'accord. Ça y est, on est passé en Matt le bûcheron. Évolution. Pour achever les ennemis à terre. J'aime. Tiens, goutte mâche. Ah merde, l'endurance, elle déchante vachement vite, du coup. Ah oui, merde, faut les achever. Attends, meurs. On va tester. Ah mais t'étais pas à terre. Va à terre. Merde, je suis pas à côté. Putain, le nul. Ah, là t'es mort. Ah, je crois que je l'ai décapité. Putain, t'es mort là, hein. Oh non, le succès. On nous envoie by the dust. Tum, 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 tum. Mais tu vas mourir, bordel de merde! Voilà!
D'accord, les succès, mais qui s'enchaînent. Ne perdez pas votre tête. Ok, par contre, c'est vite chiant l'effet d'endurance. Donc, je crois que je vais garder mon endurance comme il faut. Sinon, ça va go back to hell. Non, mais ça suffit les succès hein, maintenant. Putain. Alors, toi, t'es bien mort. Voilà. Attends, je vais en mettre un coup. Non. Non, de l'autre côté du con! Putain. Oh, le con. Mais non! Vous allez à court d'endurance. Je suis surtout à court de vie, hein, du coup. Attendez, je pouvais utiliser mon environnement. On va voir si ça fonctionne. Comme c'est fonctionnel. Attendez, on va se barrer. Non, mais il est pas morte! Attendez, on va tester. Est-ce que c'est logique? C'est logique! C'est le cheaté. Vas-y, meurs, parce que j'ai pas l'impression qu'il prenne des dégâts. Ah si, quand même. Voilà, tu restes à terre. Je suis le dieu tout-puissant. Non! D'accord, je suis le dieu qui va mourir. Putain, ils sont résistants, hein! Vivement qu'on ait un flingue ou un lance-roquette, je sais pas, un truc efficace. Alors, je vais regarder ce que c'était ce machin. Un désodorisant, ça sent bon. Ça me rappelle la forêt canadienne, d'accord. On sait d'où il vient, mais par contre, ça me paraît terriblement triste hein, comme item. Hein. Le sapin des familles, là. Alors, attends. Pour casser des plantes. D'accord. D'accord, d'accord. C'est un peu le bordel, hein, par ici. Excusez-moi. Ouais, c'est l'orage. Comme tu dis. Ah! Pourquoi je suis ralenti? Et quoi? Non, tu délires, mec. Exactement. Non, non, remonte. Il y a un truc. C'est encore une de tes pages perdues, là, par contre. Bon, d'accord. Le mec, il arrive quand même à paumer des pages dans toute la ville. Police! Voilà, dédicace à quelqu'un. Ah, 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 ah! Oh putain! J'ai flippé un peu là quand même. Heureusement que les zombies sont un tout petit peu cons. Ok, je fais des tests, hein, ça fonctionne. Oui! Non, j'allais glisser pour voir, mais non. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de problème de performance. Comme c'est un petit jeu 2D avec des petites perfos. C'est 60 FPS constant! Je vais me péter la gueule. Attends, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un billet de 100$ avec une caricature de Benjamin Franklin. L'argent n'a plus aucune valeur. Mais sur son visage est marrant. Mais le mec, il est en dépression. Pardon. Il est en dépression. Il trouve des trucs comme ça. C'est rigolo. Bon, alors, j'ai une idée de ce qu'il faut faire, mais ça me paraît pas super. Super. Ouh, ça passe. Alors. Welcome to the jungle. Mais t'as des fans de rock ou quoi, les mecs qui ont créé le jeu? Guns N' Roses, hein, si jamais. Et puis l'autre, c'était The Queen. Ouais, je vais vite me barrer. Hein. Je crois qu'en fait, faut pas les tuer. Hein. Faut les éviter. Attends, voir. J'attends que ça remonte un peu. S'il y a encore une autre référence. Bon, il y avait peut-être des références que je connais pas aussi. Hein, parce que j'aime bien le rock, mais je connais pas encore tout, tout, tout. C'est tellement vaste. Oui. On se casse. Monte. Bon. Le zombie qui a fait une putain de descente de la mort. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je vais mourir là. Ah d'accord, j'ai mouru. Très bien monsieur. Très bien la boîte de conserve. Il s'est un peu râpé les pieds. Hop. 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 T'as raison. Bon, cette fois, on va agir rapidement. Non, 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 non. Putain, ça va. D'accord, ça va pas. Comment on monte, bordel? Il faut monter à gauche? J'ai pas compris, là. Il doit y avoir un truc à faire. Qu'est-ce que tu fais?
D'accord, tu as ramassé le sol. C'est très bien. Par contre, j'aimerais éviter de mourir si possible. J'avoue que ce serait pas mal. Bon, rush. Run. Oh, s'il mette. Run to the hills. Il l'aura déjà mis. Oh oui! Je me suis pas fait baiser cette fois. Bonjour. Bonjour. Il est sympa ton garage. Qui est cet homme? Tu vas ramener. Non mais le mec il ramasse des portes. Des portes d'identité. Oui, des portes d'identité. C'est des portes pour ouvrir les identités. C'est très pratique hein, dans le milieu des finances. Non, non, des cartes d'identité. Ok, j'ai pas compris le délire. Ah, je peux. Non? Est-ce que tu peux monter? Il y a une stratégie ou. Ah d'accord, faut juste appuyer, faut pas incliner. Merci. Merci de me l'avoir dit, c'était très intuitif. Là, il n'y a rien. Pas grand-chose non plus ici. Tu peux entendre quelque chose. Mais qu'est-ce? Oula. Oula, grosse cinématique. Le son s'est barré. D'accord, le son s'est barré. Magnifique. Sinon, la pluie next-gen, hein, attention. Ah, très bien. Donc, j'imagine que ce sont des gens qui ont profité de l'apocalypse pour faire Nawak. Vu qu'on n'entend pas le narrateur. Et lui s'est dit, oh, les vilains bandits quand même. Hein. On va quand même le décapiter, hein, parce qu'ils sont vilains. J'essaye de meubler, mais c'est très froid comme ambiance, en fait, déjà. Comme il n'y a pas le son. Pas génial quoi. Non mais les mecs ils se font des tripes, ils pendent des gens comme ça dans la rue. Ils ont cru ou quoi? Ils étaient au Moyen-Âge ou. Ah je le reconnais, il est dans The Evil Within. Ah d'accord, il était pas mort. Très bien. Bon en tout cas il a trouvé à manger hein, ce con. Oh un flingue! Oh il me le faut. Putain tu pourrais doubler par-dessus. Ce serait bonne. Ah, le son est revenu. Ah, on le voit encore bouffer cet enfoiré. Alors. Putain, oui, effectivement, il. Oui, t'as raison, je comprends pas. Est-ce que c'est le flingue? Oh, je crois qu'il m'a vu. Un mouchoir bleu, mais je voulais un flingue! Merde, je l'ai raté. Voilà, j'estime que t'es. Je l'ai coupé en deux. Oh, tant mieux. Qu'est-ce que c'était là? The new law. De They New mark their kills. That's some kind of message. As if Une this sorte de world isn't message. already dark enough. En fait, je vois pas ce que c'est tellement c'est sombre. Bon, très bien, on avance. Ah, désolé, je t'avais pas vu. Enfin, la politesse et moi, ça fait deux avec les zombies, hein, je suis désolé. C'est pas que je suis raciste, hein, mais. Everyone I care about is in danger. Attendez, je faisais une petite coupure. Voilà, pour être sûr que ça recorde tout. Alors, comment on se débrouille? On va réfléchir un minimum parce qu'il n'y a pas de quoi passer par-dessus là. Je vois pas beaucoup de solutions. On va voir au sol s'il y a quelque chose. Ah si, si, il y a des planches en bois. Donc, ok, je vais rusher. C'est passé. Désolé, je remets mon micro sur les oreilles, hein. Sans les mains, sans la tête, sans les pieds, sans les mains. Ok, très bien. Ambulance. Okay. Apparemment, les zombies n'aiment pas trop les ambulances. Et ici, ça passe. Ok. Oui. Alors, tu arrêtes ça tout de suite. Merci. Ça, pas trop discret. Si jamais, hein. Come on! Voilà, on les couac. Oups. Ah non, oui, d'accord, oui, c'est vrai. Là, il faut utiliser sa tête. C'est tout de même beaucoup plus logique, hein, on est d'accord. On a une putain de hache, et puis on va utiliser notre tête pour ouvrir les portes. C'est normal. Ça me rappellera mon prof d'anglais. Bon, je lui flemme de raconter l'anecdote, parce que c'est complètement con. Putain, j'ai failli mourir comme une merde. Bon, j'entends un tout petit peu ce qu'il dit. L'air très bien, très joyeux. Est-ce qu'il y avait moyen de monter à ces trucs ou je suis baisé? Bon, j'ai l'air bien baisé quand même. Est-ce que je peux faire des glissades? Genre je cours
Quel dommage. À quoi ça sert? J'ai dû faire quelque chose d'utile. Sûrement. J'ai pas vu la différence. Tu comptes aller où là? Ah. Oh. 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 Enlève-moi ça tout de suite. Oh. D'accord. Ah, du coup, je peux passer. C'est cool. Merci. J'apprécie. Ouais. Ah. Est-ce que tu peux sauter jusqu'à là-bas? Magnifique. Magnifique. Est-ce que je peux virer ce bordel? Ah d'accord, ça me permet de pas baisser ma tête. Je vais le faire quand même. Et du coup, je crois qu'il faut que je passe au-dessus, hein, de toute façon. Et j'ai l'air quand même un petit peu bloqué. Attendez, est-ce qu'il y avait un étage? Ah oui, d'accord, oui, ça, je suis pas trop con. Par contre, faudrait que tu m'expliques où t'as trouvé la poignée pour tirer ce truc. J'aime bien les incohérences dans le jeu vidéo, c'est cool. Ça, sinon les animations sont assez sympas. J'aime bien. C'est pas très, enfin c'est pas le plus, c'est pas le plus facile, mais c'est pas le plus fondamental non plus. Oula, des ralentissements, des corbeaux, une ville détruite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut sûrement dire que j'ai coupé l'épisode depuis un moment. Ah, très bien. Le guac est parmi nous. Ah voilà, là c'est un peu plus du parcours, tu vois, là c'est... Là il y a toute l'essence du parcours qui est en nous. Hop, ninja attitude. Oula. J'ai du mal à oublier la tragédie à laquelle j'ai assisté tout le long de la route. Tant de cadavres donnés en pâture, à l'armée des morts. En chemin, j'ai entendu un message radio qui parlait de la zone de sécurité. C'est là-bas que se sont rendus les survivants, s'il y a. S'il y en a, y compris ma femme et ma fille. Laisse tomber, vu comme c'est parti, on va pas les revoir en entier. Bon, peut-être que tu retrouveras la tête ou un truc comme ça. Hein. Mais bon, ce sera un petit peu trop glauque, hein. On est d'accord. Ah, cool, le double jump. Double, j'ai pas dit doodle. Un papier dessiné à la main avec une carte pour se rendre à la zone de sécurité. Très bien, encore un gosse qui a fait des plans à la con. Donc j'ai pas besoin du boost. Oh, oh, ninja! 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 Le mec qui commence à faire n'importe quoi. Regarde. Hop! Hop! Non, ça marche pas, ok. Je spam mon bouton A. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non. Je peux agréablement me prendre la tête dans ce truc. Par contre, je trouve ça très bizarre d'avoir mis R1 pour. Enfin, RB. Ah, pour éviter les dégâts lorsque vous retombez. Bah, merci de me le dire. Oh, c'est stylé en plus! Par contre, ce serait bien que je. Est-ce que je peux le faire genre n'importe quand? Non, dommage. Parce que genre, on pourrait passer dessous en roulade et tout. Alors, je l'ai peut-être pas dit, je vais dire maintenant avant qu'on continue trop dans le bordel. Au niveau des épisodes, là, j'en ai peut-être fait un gros. Mais en principe, ils vont être découpés à l'arrache. Hein. C'est l'arrache. Je fais des grosses sessions, puis je verrai après. Hein. Voilà, je dis c'est juste comme ça.